Autrement, d'abord là avec Peter. On collabore jusqu'au col et je pense qu'après le col. Attendez, on va les faire prendre son gel bleu. Tout le monde prendre le gel bleu. La prochaine difficulté est répertoriée en troisième catégorie. Voilà, on va suivre Peter McCallaway. Ah, je vous... On suit Peter, on va pas... Un petit peu de gel bleu pour être sûr. De toute façon, après, il va retourner dans le peloton. On n'essaie pas de jouer le Colt. On va juste suivre Peter. Juste mettre une petite attaque. Peut-être si Peter décide de partir. Peter décide de partir. C'est le départ. Et Peter. On va quand même le jouer jusqu'au fond. Mais je pense que Peter ne l'a pas joué. Alors, on attend Peter. On va collaborer si on peut. On va essayer de tenir le plus possible. Et je pense pas qu'il va tenir jusqu'au prochain col. Là, il va mourir. Hein. On va lui dire d'atteindre. Voilà. Et nous, on va essayer de jouer quelque chose avec Kalmajan. La prochaine difficulté est aussi répertoriée en troisième catégorie. Les deux premiers au sommet marqueront donc 2 points et 1 point pour le maillot. On va tester quelque chose avec Ruby. On va prendre un peu de barre rouge. On va pas jouer quelque chose avec Ruby. Rien du tout en fait, si j'avais pas fait avance rapide peut-être. Non, faut faire partir quelques peu de gêne. Faire quelque chose avec quel peu de gêne là. Abuse pas, Guerrero, t'es en train de me prendre ma place là. Monte avec le chaîne. Je suis dans le maillot. Peut-être marquer quelques points pour. Ah, ça va être une descente. Attends, on va attendre la descente. Il ne reste plus que 10 km à parcourir et perdre. Ah. Son n'a encore réussi à faire le break pour la victoire d'étape. Moins de 5 km avant l'arrivée. Ouais, c'est derrière Molino. Oh, il y a quelqu'un là-bas. Il y a quelqu'un là-bas. Ouais, c'est. Il tiendra pas, il tiendra pas, il tiendra pas, il tiendra pas, il tiendra pas. Comme s'il pouvait tenir avec 30 secondes d'avance. On va lui tirer les culottes s'il nous laisse pas passer. Rouge est en vue pour la tête de course et elle va bientôt entamer la côte Saint-Pierre. 600 mètres avec un passage à 12%. Une belle opportunité pour placer une attaque décisive. Là. Dernier kilomètre, ça va se jouer au sprint. Là, je vais tout doucement. Là, je reprends un peu de barre rouge. On sait jamais, peut-être victoire d'étape. Peut-être victoire d'étape. Peut-être victoire d'étape. Non, c'est la célébration que je voulais faire. Voilà, la célébration, la victoire d'étape pour commencer la journée. Ça fait pas du bien ça. Ça fait pas du bien, ça mérite pas qu'on se mette un petit GTA. Mérite pas de gagner l'Open Tour là. Ça mériterait de gagner l'Open Tour, moi je dis. Le mec il veut gagner l'Open Tour avec... avec Kamojane quoi. Un vrai taré quoi. Un vrai taré le mec. Mais depuis quand tu gagnes l'Open Tour avec, avec Petit Géranium? Et les classements, bien sûr. Attends, on va se faire l'arrivée quand même. Est-ce qu'on était loin? Est-ce qu'on était loin? Est-ce qu'on a fait une belle montée? On a fait une belle rattrapette quand même, je dis pas. Attention, on a fait une belle... Et là, on essaie de tous les coller et on part.
Et on part dans le dur du dur. Non, non, pas comme ton champignon. Hein. Et regarde, je prends un petit peu de bas rouge. Et là, je décide de partir, me dire oui, ça va le faire. Et là, je lève les bras. Le mec, il sort là. J'espère gagner l'Open Tour. Hein. Mais moi, je vais partir avec Ruby. Mais pourquoi pas faire une attaque de Ruby? Non, mais c'est la ligne d'arrivée en tête il y a quelques minutes. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la prise des hôtesses. On a le maillot jaune. On a le maillot jaune. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Là, je suis en train de faire l'Open Tour de partout. Moi. Il joue les tout premiers rôles cette année. Écoute, comment là. Attendez, il faut que je vérifie si j'ai fermé mon garage. Que pour lui, la suite se je reviens. Mais pour l'instant, il peut savourer. C'est bon, je vais fermer mon garage. Il joue les tout premiers rôles cette année. C'est le maillot à poids. Yes. C'est le maillot à poids. Il va pouvoir mettre ce maillot. Il joue les tout premiers rôles cette année. Maillot blanc. Voici le maillot blanc de cette épreuve. Petit lavage de main. Petit lavage de main, j'ai les mains qui fuient. Oh, comme je coulais le vendredi. Comme je coulais. J'avais l'impression de fondre sur place, quoi. Un immense bravo pour cette victoire, les gars. Mais genre, c'était quasi nul. C'est une performance exceptionnelle. Et il y en a un, ils veulent. Battu tous les favoris. On prend le maillot jaune. C'est une journée parfaite. Je suis d'accord. Sauvegardez, oui. On est étape 3 sur 5. Alors, qu'est-ce qu'on a au classement général? On a 7 secondes d'avance. Ouais, c'est pas beaucoup. Il va falloir faire partir Guerrero. Du vélo premier, ouais, je me suis pas cassé la tête. Guerrero, on va faire partir Guerrero pour la prochaine étape. Ouais, Guerrero, ça serait bon. What the fuck? L'arrivée en collège, c'est quoi? Direct. Bon, Guerrero, on va le faire partir pour la combativité pour la montagne. Mais collège, c'est ben au moins on le fasse reposer, Guerrero. On peut me passer l'école 1 là. Non, on va essayer de garder le maillot. On va jouer le maillot à poids. Un Guerrero, le maillot de la combativité. J'aimerais bien gagner l'Open Tour, mais j'y crois moyen. Moyen. Alors, on a dit qu'on faisait partir Guerrero. Comment on fait pour mettre les trucs là? Ouais, je sais pas comment on peut prendre. Ah, je me suis trompé, c'est Guerrero qu'il fallait que je prenne. Pour le maillot à poids, pourquoi pas le maillot à poids et pourquoi pas garder le maillot jaune avec Ken Mechen. Mais je pense qu'il va... On peut pas directement dire nos leaders, c'est non. On va essayer de partir dans l'échappée avec Guerrero pour avoir le maillot du meilleur. En fait, moi je dis que le Tour de France ça joue beaucoup sur on a plus vite quoi. Pour ça, je peux pas jouer en champion ni en légende. Mais je le ferai en légende, genre. Pour les trophées, bien sûr.
Voilà, le petit peloton, tranquille. C'est le matin, faut se réveiller à Tarbes. Ne lui fait pas peur. Et on part. Il tente déjà de s'enfuir. J'ai un peu loupé le départ, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que... Attends, je prends de l'essence. Et va-t-on laisser partir l'échappée matinale? On collabore. On va collaborer parce qu'ils ont tendance à nous lâcher les goyles là. Je crois que ça fait rideau derrière. Oh, il y a Pierre Roland. Il y a Roland dans mon groupe. Roland. Peter Roland. Pierre Roland. Ah oui, c'est Pierre Roland. Bon, tranquille. On va essayer de jouer tranquille. On va collaborer. De toute façon, on a que... Collaché, je crois que c'est mort. Hein. J'ai pas à moi de prendre Ruby. Mais Ruby, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, quoi? Ruby, c'est un tocard. Bon, mais ça va, c'est tranquille. Tu veux pas être meilleur échappé? Ils veulent tous partir dans l'échappette. Hein. Ils veulent tous jouer le classement de la montagne. Les gars, avec toi, accélère le tempo. Ils vont essayer de gérer l'écart. Bah, tu fais quoi, ça t'arrête? Tu mets pause. Si tu... Voilà, t'appuies sur le bouton pause, ça a le mérite d'être clair. Ça a le mérite de faire peur aux défenseurs, quoi. Et bientôt, le premier match de la France pour l'Euro, je crois que c'est contre l'Allemagne. Fais chier, Ratchet, je pourrais pas jouer. Il y aura donc un faudra j'attendre pour y jouer. Ça n'a pas l'air de trop vouloir bouger dans le peloton. Il y a le gang des roses. Ah, on... Oh, tocard, Jeff. Qu'est-ce que tu fais, chef? Surveille-le, c'est le meilleur grimpeur du monde. Le peloton, il est là. Le peloton, il est là. Est-ce que ça serait pas le moment d'essayer de partir à 1-2 après le col? Non, mais non. Effet d'élite. Effet d'élite, comme... Oula, je me suis laissé enfermer. Allez. Attention, on y va à fond, on y va à fond, on y va à fond. Pas trop à fond, pas trop à fond. On en garde un peu pour le sommet. Non. Oui, c'est bon. Et on se retrouve au prochain col. Je sais, ça, géré pour le classement général. Roland, Pierre Roland, Harou. Il y a des joueurs à la galette, là. À la galette, c'est la biscotte. C'est pas très animé, je crois que je pourrais vous... Ouais, va dormir dans la voiture. Ouais, mais lui, il veut toujours dormir, quoi. McTotti, vous reconnaissez McTotti? C'est le mec à Galax. Non, mais lui, il va lui mettre Galax tout à l'heure. Depuis 6 sur 2, donc on avec Galax. Il est à fond. Non, moi, j'avoue qu'avec le Let's Play de Galax, t'as plus envie de jouer que sans le Let's Play Galax, quoi. Voilà, on y va tranquille, à poil sur le vélo. On y va, go, c'est parti. Non, c'est pas parti. Go, c'est parti. C'est là, c'est là, c'est là. Ah, je vais faire griller, je vais faire griller, je vais faire griller. Ouais, je suis parti trop tard. Voilà le classement du dernier grimpeur. On va collaborer. On va contenter de protéger nos leaders. Quel meuf jeune, faut le protéger un peu parce que c'est dans la montée. Du Colin, il va souffrir le petit, il va souffrir. Le tempo s'accélère en tête de course. Les échappés vont essayer de gérer l'écart. Ah mais c'est bon, tranquille. Vous avez une minute d'avance sur le maillot jaune. On joue pas le sprint, non, on prend quand même 17 points. Ça fait une bonne victoire d'étape de Guerrero. Faut déjà qu'ils tiennent, faut déjà qu'ils tiennent, qu'ils tiennent. Collaborer. Faut pas collaborer, protéger nos leaders. Mais l'échappée a l'air d'augmenter le rythme en tête de flou. On va partir dans le dur. Dans le dur, on part. On va le bloquer un peu.
Moi j'ai un peu de rouge. Ah j'ai pas eu. Ah, j'étais en train de boire mon petit gâteau. Ah, il n'y a plus rien à jouer. On va attendre qu'elle me gêne tranquille et on va retourner dans le peloton. Le peloton roule fort, restez bien placé. Est-ce qu'on va pouvoir. Oh, mais. On va mettre combien on va gérer. On va mettre à 10 km. C'est bien 10 km. Suffisante maintenant pour aller au bout. C'est ça, je comprends pas. Comment ça se fait qu'il nous laisse autant de temps? L'arrivée est classée hors catégorie. Le vainqueur de l'étape empochera donc 20 points pour le classement de la montagne. Ah, si on peut partir là. Si on tenterait pas de partir avec Calmogen. Est-ce que Calmogen, allez, Coronis. On va quand même se faire un petit truc. En fait, j'ai pas envie de tout niquer, quoi. Calmogen a la possibilité de faire quelque chose dans cette montée. Guerrero protège Calmogen. Comment ça se fait avec... Ouais, ça gère, ça gère. Un peu d'allure. Autrement, tu vas nous faire un coup de moins bien. On va essayer de partir. On va essayer de partir avec Calmogen. Calmogen qui tente une attaque. Calmogen qui tente une attaque. Il va finir en défaillance. Faut réagir tout de suite, les gars. Il prend la tête du général virtuel. Ramarrer quelques places. L'avance du groupe de tête devrait être suffisante. On va être collaborer. Et pas collaborer. Ils ont maintenant pour aller au bout. C'est jamais, on peut espérer peut-être quelque chose. On est en train de perdre le maillot jaune. On est en train de perdre le maillot jaune. En train de perdre le maillot jaune de beaucoup, 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 beaucoup. Mais Calmogen n'est pas un montagnard, c'est normal. Pas grave, on aura au moins gardé le maillot à poids. Là on va tenter d'y aller à fond, on verra. Maintenant que la barre rouge elle tienne. Il roule car c'est un danger pour le général. On va tenter. On va finir en défaillance, mais c'est pas grave. La rouge peut-être. Non. Lève le pied si tu veux pas avoir une défaillance. Ça va, ça n'a pas perdu trop de temps. Mais j'ai perdu le maillot jaune. Calmogen jaune en collage C, en collage 1 ou en collage C, je sais pas comment c'est terminé. Normal qu'ils perdent du temps et qu'ils perdent le maillot jaune. Mais on gagne toujours le normalement, le maillot. Oh, on va tout avoir perdu. Alors, c'est pas. Mais Guerrero, il a pris un. Je pense que avec les
3 cols, là, je pense qu'il peut avoir pris 25 points. Ou 20 points de col C. Ou, je crois que c'est 20 points col C. Col H. Est-ce qu'on a perdu le maillot jaune? Il a su déjouer tous les pièges. Et on a perdu le maillot jaune. Il joue les tout premiers rôles cette année. Il est en tête du classement. Et on a perdu tout. On a tout perdu. On a tout perdu. Tout. Heureusement. Et bon. Je suis content. On a gagné le maillot jaune. On l'a eu sur les épaules. Les étapes de bon. Vous avez fait une très bonne étape. Pardon. Finir dans le top 5 alors que l'étape ne nous convient pas, je suis extrêmement satisfait. On a perdu le maillot jaune, c'est la déception du jour. À 1 minute 47, il nous a mis assez mort pour. Maillot à poids, combien? 20 points, non, il va falloir ressortir. Il va falloir ressortir, Guerrero. Il va falloir ressortir. C'est la dernière étape, les gars. Ça va être une journée. Casse-patte. Dommage, il aurait fallu prendre un montagnard. Mais bon, avec pas carré match, gars. Alors, qui allons-nous prendre? Ah, bien sûr. Guerrero. Mais là, comment on fait pour... Ah, voilà. On va essayer de prendre le classement. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est une belle de la montagne et voilà quoi, on verra. Avec un départ au pied du col de la Corse.